National du Congolais, un effort pour l'indépendance, le chant d'enfant, longtemps oublié, et pour les bons prénoms, les plus belles et les citoyens, entonné l'hymne sacré des Congo, des aïeux. Œuvrer pour
l'élaboration d'un barème salarial unique. C'est ça l'objectif de cette commission paritaire. Élaborer un barème salarial unique
d'examiner de façon sérieuse, en conscience, comment faire de sorte que les conditions salariales et sociales des agents et fonctionnaires de l'État puissent être améliorées. Nous sommes une commission. Nous sommes comme une belle famille. Il faut donc qu'il y ait des échanges fructueux, enrichissants, de part et d'autre. Il faut pas prendre des positions cassées. Sinon, ce n'est pas une commission paritaire. L'esprit d'une commission paritaire, c'est de mettre ensemble les intelligences, les dynamismes pour arriver à trouver des solutions aux problèmes sociaux des agents et fonctionnaires. C'est cet esprit-là que je voudrais vous insulter. Au-delà de vos divergences, au-delà des différences de partis, la partie gouvernementale et la partie syndicale, au-delà de tout ça, c'est la survie de toute une nation. Le développement d'une nation est fonction du dynamisme de son administration publique. Aussi longtemps que notre administration publique aura beaucoup de problèmes, c'est notre nation qui va souffrir. Prenons conscience de l'importance cardinale de l'administration publique. Le fonctionnaire de l'État, l'agent de l'État, ne doit pas se considérer comme un marginal, parce que c'est lui qui est au centre du développement de la RDC. C'est dans cet esprit-là que nous allons travailler. Tout le temps, tous les mois, tous les jours que nous aurons à partager ensemble au cours de cette commission, ayons cette volonté, cette conscience que nous travaillons pour notre nation. Donc, quelqu'un peut penser que peut-être ce sera une commission. C'est l'expression d'une volonté unanime,
du gouvernement et des représentants des travailleurs de l'État pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la vie socio-professionnelle, n'est-ce pas, des agents et fonctionnaires de l'État. Nous ne pouvons qu'espérer beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est que, et du côté du gouvernement, et du côté du bon syndical, il y ait échange, il y ait dialogue, une réflexion commune sur la situation sociale, économique et financière de l'État. Et voir ensemble la partie, n'est-ce pas, de cette situation, quelle est la part réservée aux fonctionnaires de l'État. C'est un travail assidu qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'énergie, mais déjà le fait que et le gouvernement et les syndicats se sont mis d'accord pour qu'ils puissent réfléchir ensemble, ça augure de bons résultats. Excellence, pensez-vous que cette commission paritaire pourrait-elle améliorer les conditions de vie des fonctionnaires? Mais c'est ça notre vœu. C'est un vœu. Mais nous allons maintenant ensemble, c'est-à-dire gouvernement et banc syndical, c'est ça la commission. Thank you.
Monsieur le Premier ministre, sénateur, mesdames et messieurs les ministres d'État, ministres et membres du gouvernement, agences du système des Nations Unies, distingués invités, mesdames et messieurs, il s'agit, selon au nom de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de protester. Ainsi, nous vivons de cette tribune un témoignage de l'entreprise de Sonas, déjà engagée dans la lutte contre. Excellence, Monsieur le ministre, membre du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises publiques et privées, Mesdames et Messieurs, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Monsieur le Secrétaire général à la Santé, ici représenté, Monsieur l'Inspecteur général à la Santé, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, représentants du système des Nations Unies et partenaires bi- et multilatéraux, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et des programmes spécialisés du ministère de la Santé, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre où nous sommes réunis pour ensemble nous mobiliser les ressources et mutualiser nos efforts afin de sauver les vies, que le paludisme continue à emporter chaque jour dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. En effet, en 2016, nos services de santé ont rapporté plus de 15 millions de cas de paludisme et près de 34 000 décès, soit environ 4 décès par heure. Je dis bien 4 décès par heure. Pourtant, il existe des moyens de prévention et de traitement efficaces. Pour votre gouverne, d'importants progrès ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme dans le monde par la mise à l'échelle d'outils efficaces de prévention, de prise en charge et de traitement des cas. Ces efforts se sont traduits entre 2000 et 2015 par une réduction du nombre de nouveaux cas de 37% et une réduction de la mortalité de 60% dans le monde. Pour la même période, en République démocratique du Congo, le nombre de cas a été réduit de 28 millions à 19 millions et le nombre de décès a été ramené de 82 000 à 42 000. Grâce à la foi, au leadership au sommet de l'État et à un partenariat efficace ayant permis aux populations congolaises d'accéder largement à la prévention et au traitement des cas de paludisme sur toute l'étendue du territoire national. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, vous vous souviendrez que les progrès ainsi accomplis par la République démocratique du Congo ont amené l'Alliance des leaders africains contre le paludisme, ALMA en sigle, à accorder un prix de haut niveau à son Excellence Joseph Kabila Kabangé, chef de l'État, pour son leadership au sommet de l'État, qui a induit un partenariat efficace et a permis aux populations congolaises d'accéder à la prévention et au traitement des cas du paludisme. Cependant, force est de constater
que malgré ces importants progrès, le travail est loin d'être achevé. C'est ainsi que le ministère de la Santé, à travers son programme spécialisé de lutte contre le paludisme, a élaboré un plan stratégique national 2016-2020 dont l'ambition est de réduire d'au moins 40% la mortalité et la morbidité du paludisme d'ici 2020 à travers l'accès universel aux moyens de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme, ainsi que par le renforcement de notre système de santé. Les objectifs de cette table ronde sont les suivants. Primo, amorcer un plaidoyer auprès des parties prenantes sur la problématique du financement pour la lutte contre le paludisme en adhérant, en alignant tout le monde sur le plan stratégique national. Secondo, mettre en place des mécanismes innovants de mobilisation des ressources locales additionnelles au niveau central et décentralisé. Tertio, obtenir l'engagement renouvelé du financement du gouvernement, du secteur privé, des associations philanthropiques et des partenaires au développement pour un investissement conséquent dans la lutte contre le paludisme. Distingués invités, le démarrage de ce processus de plaidoyer qui se concrétise de ce jour par cette grandiose cérémonie, rehaussée de votre présence, constitue une manière de cimenter l'implication de tous. Il confère à chacun de nous la qualité de partenaire et matérialise notre engagement à soutenir conjointement les efforts de notre patrie dans la lutte contre le paludisme. Je vous remercie. L'inspecteur général de la Santé, mesdames et messieurs les partenaires de la coopération bi- et multilatérale et de vos invités en vos titres et qualités respectifs, monsieur le gouvernement. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, c'est un honneur pour nous, la jeunesse, d'être choisis par la table ronde pour présenter cette petite expérience que nous avons au sein de notre entreprise. Nous avons fait notre exposé à quatre petits points. Le premier, c'est donc l'objectif qu'on a dans cette pratique, la méthodologie, la stratégie, ainsi que pour nous donner en charge agents et femmes, agents et cadres, ainsi que leurs familles, exclusivement. Nous ne prenons pas des agents d'ailleurs, des personnes d'ailleurs. L'objectif est de contribuer à améliorer la santé et le bien-être des agents et de leurs familles. La méthodologie est de considérer les soins et les services de santé spécialisés pour nos agents et cadres, ainsi que leurs familles. Nous tardons donc à parler tout à l'heure du directeur du gouvernement national de lutte contre le paludisme. C'était une réelle préoccupation pour le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé que je représente et aussi pour la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. La directrice régionale prioritaire pour un impact durable sur la morbidité et la mortalité, là où on a écrit moralité, c'est la mortalité, du paludisme en République démocratique du Congo. Le présent document signé ne constitue en aucune manière un document contractuel entre l'État congolais et, je comprends là, c'est l'entreprise ou la personnalité, la confession religieuse ou autre. Et n'a pas d'implication légale. Donc les gens qui vont signer cet acte d'engagement ne seront pas poursuivis de même pour n'avoir pas exécuté et ce que je suis. Ainsi, j'invite son Excellence de notre pays.
C'est de signaler ici que les contributions, la participation au financement ne concerne pas seulement l'argent en liquide, mais ça concerne aussi tout ce que les sénateurs. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et des agences du système des Nations Unies, derrière ces invités, mesdames et messieurs. Avant toute chose, je tiens à vous exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette importante rencontre destinée à la mobilisation des ressources financières et matérielles sur le plan national et international en vue de lutter avec des moyens efficaces contre le paludisme qui décime la population en RDC. Comme vous le savez, cette maladie a des effets dévastateurs sur l'avenir de notre pays. Elle provoque un véritable massacre de masse, en étant la cause principale de 77% des décès des enfants de moins de 5 ans dans notre pays. Une maladie qui tue nos chers enfants à une dette chère doit être déclarée ennemi numéro un de notre peuple que nous devons tous combattre de tous les moyens et avec détermination. La raison pour laquelle le gouvernement national, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, géré par le ministère de la Santé, a élaboré un plan stratégique national couvrant la période 2016-2020. Ce plan stratégique vise à atteindre les 5 objectifs ci-après. 1. Protéger au moins 80% des personnes au risque du paludisme d'ici 2020. 2. Dépister au moins 80% de cas de fièvre suspecte du paludisme et traiter 100% des personnes affectées par le paludisme d'ici 2020. 3. Renforcer le système de surveillance, suivi et d'évaluation d'ici 2020. 4. Permettre à au moins 75% de la population affectée de connaître les modes de transmission de la maladie, les mesures de prévention et la prise en charge du paludisme d'ici 2020. Et 5. Enfin, renforcer la gestion du programme national de lutte d'ici 2020. Vous avez compris, mesdames et messieurs, qu'un programme d'action aussi ambitieux, destiné à sauver la vie de plusieurs millions d'enfants congolais, sans oublier les adolescents et les adultes, exige d'énormes moyens financiers pour sa mise en œuvre efficace. Le financement de ce programme ambitieux pendant 5 ans a été évalué à la somme d'environ 1,5 milliard de dollars américains. À l'heure actuelle, les ressources disponibles et les souscriptions sont de l'ordre de 465 millions de dollars. Il se dégage ainsi un déficit d'environ 1 milliard de dollars américains à compter. On est donc très loin du compte. Mais je ne peux manquer de remercier, au nom de M. le Président de la République, chef de l'État, son excellent Joseph Kabila Bamongé, et de l'ensemble du gouvernement congolais, tous ceux qui ont déjà contribué ou qui s'apprêteraient à le faire, pour financer le programme national de lutte contre le paludisme en RDC. Pour sa part, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires
sur le plan financier pour assurer le paiement de sa part par les cofinancements du programme de lutte contre le banditisme avec les partenaires extérieurs afin de garantir la mise en œuvre efficace du plan de lutte contre le banditisme. Pour terminer, je dois souligner que la politique de mon gouvernement, dans le domaine de la santé, vise à atteindre d'ici 2030 l'objectif numéro 3 des 17 objectifs de développement durable définis par l'Organisation des Nations Unies en septembre 2015, qui vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Je lance donc ici un appel humanitaire à la générosité du secteur public et privé, ainsi qu'à celle de partenaires bilatéraux et multilatéraux de la RDC pour accroître et verser leur contribution volontaire en vue de financer le budget dont je viens d'indiquer le montant afin d'intensifier la lutte contre paludisme dans notre pays. Notre ambition collective et légitime doit être d'avoir à l'horizon 2030 une République démocratique du Congo sans paludisme dévastateur, et je vous remercie. Aussi bien le gouvernement que les entreprises publiques et privées autour du financement de la lutte contre le banditisme. Quel est le plan établi pour lutter contre le banditisme? Il y a un plan stratégique qui a été développé pour la période 2016-2020. Il s'appuie sur trois stratégies de base et deux stratégies de soutien. Les trois stratégies de base, c'est la promotion des interventions de prévention pour toutes les populations à risque dans les pays. C'est le déploiement des interventions de diagnostic et de traitement pour tous les malades et le renforcement de la surveillance pour une prise de décision adéquate. Alors ces trois stratégies de base s'appuient sur la communication et la promotion pour permettre une mobilisation de toutes les forces autour de cette lutte et l'adhésion des décideurs ainsi que des prestataires et des familles aux interventions que nous recommandons. Et alors, un deuxième pilier de soutien, c'est le renforcement de la gestion du programme, y compris le renforcement du système de santé, pour que cette lutte puisse s'appuyer sur des structures pérennes. Je suis président de l'association ASDA France et Burkina Faso. Et je travaille avec les ONG et que mon fils les dirige ici, Igumba Kokocha, qui est le président du comité technique. Vous venez d'assister à une table ronde pour la lutte contre les paludismes. Pourquoi est-ce que cela vous semble utile? Vous savez, la maladie dessine presque la population en Afrique du paludisme. Il faut qu'on réunisse tous les moyens nécessaires pour essayer d'éradiquer cette maladie. Le paludisme tue plus que les sida. Et il faut beaucoup de moyens et de ressources humaines, aussi ainsi que des ressources financières, pour que la population puisse vivre aisément. Merci. Si on peut garder contact. Donc je suis jaloux du terme président. Vous allez maintenant procéder au vote. Mais pour vous démontrer, dans mon vérifier mon identité et sur la liste électorale, si je suis là. Regardez comment il vote. Gracias.
La machine a pris la charge de Pétain et il lui a donné les candidats. Tous les candidats sont sortis des camps. Auquel camp vous arrivez pour entrer aux candidatures. Mais si vous confirmez, pour autre information que j'allais vous donner, s'il vous plaît, vous voyez les bulletins que nous utilisons, il y a des bulletins de. Les bulletins de la couleur de la CENI, ça sera le bulletin qui sera utilisé par tous les gens. Quand vous voyez vert, ça veut dire qu'il est avancé. Et quand vous voyez rouge, mais avant cela, ce sont les travaux qui se font avec le bulletin jaune. C'est le travail qui se fait avant d'ouvrir le bureau de vote. C'est la configuration devant témoin qu'ils sont en train de faire. La machine va avoir les noms de son candidat, les noms de son président, les noms des agents qui vont travailler le bureau de vote. Et même les noms des témoins présents. Ils sont en train de configurer les machines. Otra candidata. Toute chaîne de telle distribution, est-ce qu'il y a une interaction? Comment est-ce qu'on peut voir comment? La machine à vote électronique, je pense, il faut encourager. Mais comme les gens ne sont pas encore assez informés, il faut encore faire une sensibilisation. Mais également, il faut informer de plus. Au cas où on trouve réellement qu'il y a plus d'avantages avec cette machine, je pense que l'important c'est qu'on puisse aller aux élections. S'il y a plus d'avantages, on adopte les systèmes. S'il y a plus d'inconvénients, je pense, mais au regard de ce qu'on nous a donné comme élément, je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients avec cette machine. Donc nous encourageons tout ce qui nous peut faciliter d'aller vite. Moi, en tant qu'acteur de la société civile, quel message très important que vous donnez à la population qui est comme consommateur de cette machine? Oui, oui, je crois que le message qu'il faut donner, il est simple. Nous savons que la CENI bientôt va produire un calendrier électoral. Nous-mêmes, nous avons demandé ce calendrier depuis longtemps. Il faut considérer ça comme une maman qui a la maternité. Nous attendons voir l'enfant qui nous sera donné, comment il va être. Peu importe si c'est un enfant qui va naître dans des conditions que nous connaissons difficiles, nous ne pouvons pas rejeter cet enfant. Nous devons nous l'approprier. Et le message que nous demandons, c'est à la population congolaise de s'approprier le calendrier qui sera publié, mais aussi aux hommes politiques d'éviter de manipuler la population et d'éviter de rejeter ce calendrier. Nous l'attendons tous, nous allons voir ce qu'il va être, mais d'ores et déjà, je pense qu'il faut soutenir ce qui va nous fixer finalement quand est-ce que les élections auront lieu. Merci.